Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Upper Key. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial pour les hôtes Airbnb, les frais de ménage. Gérer ses coûts efficacement, c'est optimiser vos revenus. Premièrement, comprenons le principe des frais de ménage sur Airbnb. Ce forfait couvre tout, du lavage du linge à la désinfection des salles de bain. Mais certains hôtes intègrent directement ces coûts dans le prix par nuit pour simplifier la transaction. Airbnb offre deux options de tarification. La tarification standard, où vous fixez votre prix par nuit, et la tarification intelligente, qui ajuste vos prix selon la demande et d'autres facteurs. Cette flexibilité peut influencer votre stratégie de tarification des frais de ménage. Pour ajouter ou modifier ces frais, c'est simple, rendez-vous dans la section « Tarifs » de votre annonce Airbnb, puis ajustez selon vos besoins. Mais attention, fixer un tarif élevé pour une seule nuit pourrait dissuader les voyageurs. Airbnb prélève une commission de 3% sur chaque réservation pour les hôtes, bien que ce pourcentage puisse varier selon la structure tarifaire choisie et le type de réservation. Calculer ces frais nécessite d'examiner plusieurs éléments. Le temps de main-d'œuvre, le coût des fournitures, l'amortissement des équipements et même une marge pour les imprévus. N'oubliez pas, un bon entretien est synonyme de meilleurs avis et plus de réservations. En France, les frais de ménage sont déductibles des impôts sous le régime des BIC. Cela inclut toutes dépenses de nettoyage et de réparation. Conservez donc toutes les factures pour justifier vos dépenses lors de vos déclarations fiscales. Si le ménage n'est pas votre fort, envisagez d'engager un professionnel. Upper Key propose une conciergerie Airbnb adaptée à vos besoins. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour plus de conseils.